Bonjour, je m'appelle Prudence, je suis psychologue et je suis heureuse de te présenter le programme Power. Souvent, on veut être heureuse, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ça te parle? Moi, en tout cas, ça me parlait beaucoup, personnellement et professionnellement. Le problème, c'est qu'en fait, les solutions toutes prêtes ont tout ce défaut de fonctionner à l'emporte-pièce. Donc, si tu rentres pas dans le moule, ben, ça fonctionne pas. Pour les femmes atypiques, c'est-à-dire en dehors de certaines normes, c'est encore plus flagrant et parfois dangereux. Pour répondre à ce besoin, j'ai créé ce fameux programme Power, le programme en ligne pour apprendre à s'accepter, à s'aimer, à prendre soin de soi, pour s'épanouir et être enfin heureuse, même si on est atypique. À la fin de la formation, tu seras capable de prendre soin de toi, de tes pensées, de tes émotions, de ton corps, de tes relations avec les autres et de fixer tes limites. Tu sauras également élaborer un plan d'action efficace pour répondre à tout type de problème, ce qui te permettra de t'épanouir et de construire ton bonheur jour après jour jusqu'à la fin de ta vie. Tu te demandes comment? Alors déjà, pas besoin de tout déballer sur le divan pendant 20 ans. Faut juste un ordinateur ou un téléphone, une connexion internet, de quoi prendre des notes et surtout de la motivation pour construire ton bonheur. Dans ce programme, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Des exercices pratiques expliqués et illustrés avec des exemples concrets pour que tu puisses facilement les mettre en œuvre. Des fiches récapitulatives, des résumés pour te permettre de te rappeler aisément ce qu'on a vu. Une évolution ludique et progressive, adaptée à ton rythme. Un groupe d'entraide où je suis présente et je propose un live par mois. Rejoindre Power, c'est prendre la décision maintenant de prendre soin de toi en t'appuyant sur des outils scientifiquement validés, une approche humaine et amusante proposée par une psychologue expérimentée et atypique. Voilà. Alors, est-ce que tu es prête à prendre ton bonheur en main?